Aïe. Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Attends, on se tient droit. Allez. Ah oui, effectivement, ça va être un peu difficile les premiers jours, je pense. Avec une petite réduc, là, ce serait pas mal. Oui. D'accord. D'accord. Ah. Ouh, c'est pas évident, mais je pense que je pourrais m'y faire. Bonjour Madame Prune. Comment allez-vous aujourd''hui? Mais ça va, j'essaie de marcher depuis tout à l'heure. Comme j'ai dit que je partirais ce matin, mais c'était un peu plus compliqué que prévu. Donc je suis resté là un petit peu pour voir ce que ça donne et bon, je pense que je vais m'y faire. Très bien, très bien. Je vais vous donner un petit bandage histoire que vous puissiez faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un petit cadeau. Ça pourra vous servir. Très bien. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Ah, excusez-moi, j'ai trébuché. D'ailleurs. Attendez, il y a juste un truc là. Est-ce que je vous ai payé la facture? Parce que vous m'avez pas fait de facture encore. Je vous prépare ça dessus. Le reste a été pris en charge par le gouvernement. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Voulez-vous que je vous raccompagne peut-être? Ce serait avec plaisir. Oh, c'est pas vrai. Souvenez-vous d'une chose, pour l'instant, que des voitures à boîte auto, pas en manuel, ça risquerait de vous déstabiliser et de vous faire mal. Très bien, ça tombe bien. J'en pense à une toute particulière, j'ai hâte de pouvoir la reconduire. Ma petite Bugatti. Très bien. Bien. Je vous dépose là et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup, monsieur.
Quel bonheur. Putain, je suis sur la réserve. Ça va, t'as Wesley? Bah écoute, pour moi ça va. Ça va tranquille. Elle est de retour, mais attention, elle ne travaille pas. Ah, quel temps de merde! Allô. Ça va? Ouais. Alors ça y est, t'es sorti? Ouais, ça y est, je suis sorti. Il m'a dit juste de prendre des voitures à boîte automatique pour l'instant, en attendant que ça aille mieux. Et peut-être d'ici quelques jours, je pourrais marcher de nouveau normalement. Là, pour l'instant, ça, c'est un peu douloureux, mais je vais m'y faire. Ok, ok. Il m'a donné quelque chose. Bah là, je suis près du parking central. Il m'a donné des seringues d'adrénaline. Il m'a dit que c'était un petit cadeau de la maison. J'en ai 4 sur moi. Ah bah tu m'en laisses une. Ouais, tranquille, de toute façon je saurais pas quoi en faire. Ah, je sais moi à quoi ça sert. Ah d'accord. Bah écoute, je te les donne où et quand? Donne-les moi ce soir. D'accord, pas de problème. Ok. Ça marche. Là je suis en train de revenir en ville là. Je suis avec la dépanneuse. Ah. Je vais me reposer un peu et on se voit ce soir. Ça marche. Bah okay. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez moi et je vais voir. Il m'a donné un gros dossier. Je vais aller lire ce qui s'est passé du coup, parce que j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout, j'avais pas de contact extérieur sauf bah de temps en temps. Voilà. Donc lui. Ouais. Donc je vais mettre à la page, okay. Et puis après j'agirai en fonction de ce qui a été indiqué dans les dossiers. Voilà. Ok. D'accord. Alors à ce soir. Bisous, à soir. Ciao. Oh, j'avais oublié qu'elle avait la patate. Ma maison. Bah, connecte-toi, mais bon, étant donné que t'as des petits problèmes. Côté performance, voilà, ça va être difficile. Hein. Toi de faire des scènes, hein, je te le dis. Peu importe le métier que tu fais. Wesley. Je vais enclencher mon coyote. Attention radar fixe, 130 km/h. Ah bah, j'ai bien fait de l'enclencher. Bon, on va éviter de provoquer un accident déjà. On est juste de sortir de l'hôpital. Oh putain. J'ai crevé, ouais. Stick. Ouais, qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce que j'ai encore? Je viens juste de crever un pneu et je pense pas être en mesure de pouvoir arranger ça toute seule. Est-ce que si je t'envoie les coordonnées, il y aurait moyen que tu viennes?
Ok. Merci. Vas-y, on voit. Ah, c'est pas vrai, ça commence bien. Ah, c'est cette roue là, d'accord. Normal que ce soit chômeur Wesley. Garde ça dessus, hop, c'est bon. Parfait. Allez, on attend. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, sortie de l'hôpital. Allez. Ouais. Ah, il arrive. Ça va? Ouais, t'as quoi? J'ai cette roue là qui a crevé. Elle m'a légèrement fait dévier, mais j'ai pu. J'ai réussi à la tenir. Plus de peur que de mal. Ok. Je suis désolé. Tranquille, y a pas de soucis. Attends, on va voir si c'est bien. Heureusement qu'elle a la boîte auto celle-là, hein. Sinon j'aurais pas pu la conduire. Ok. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Oh, fais attention. Tiens, tant qu'à faire. Ah, ok. Bon, merci. Fais attention à toi. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Pose-toi. Merci, c'est ce que je vais faire. Rappelle-moi ce soir. Il y a Monsieur Z qui m'a confié un dossier, je vais le lire. C'est tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je vais le lire et me mettre la page. Bah merci pour la roue. Allez, pas de soucis. À plus tard. À plus tard. Voilà pourquoi il faut pas rouler trop vite. Si on roule trop vite et qu'on crève, on peut facilement provoquer un accident et mourir. Attention radar fixe, 130 km/h.
Donc chez moi. Pas les chemins de terre. Ouais, on fait le tour. Wesley, j'ai trois maisons. Oh, encore. Ah, c'est pas vrai. Heureusement que j'allais pas vite. Ah ouais, il a crevé. Oh putain. Tant pis, je vais rouler comme ça un peu. Je verrai si j'ai un cric chez moi. Attention, radar fixe, 90 km/h. Ah, oh, ça y est, je vais rouler sur la jambe. Là, je suis pas loin. Putain, c'est bon. Ma petite jante en diamant, ça me coûtait cher ça. Je sais même pas si j'ai encore les moyens de la remplacer. Quelle poisse, je suis sûr, quelle poisse. Ah, mon lieu de travail. Je vais la laisser là, je vais voir si je peux ramener quelque chose. Ah. Bon, je vais voir si j'ai quelque chose dans mon garage. Ah, c'est nickel. Ah, heureusement que ça déroulait ce truc. Ah, nickel. Allez, on va changer ça. Allez, il n'y a plus qu'à dévisser. Hop. Parfait. Allez, on pousse. Ah. Wesley, cric ou pas, ça permet de lever la voiture. C'est parfait. Aller se coucher.
Faudrait qu'un jour je change à nettoyer le jardin quand même. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je rentre par là. Voilà. Ah, maison. Faut que je fasse un peu de rangement quand même. Ah. On essaie de s'enlever les fringues. Allez hop. Voilà. Allez, petite sieste.